60 ans. Ah oui? Au moins plus, même. Même plus, depuis qu'on était gamin comme ça. Des bons amis. Je dis, si on se fâchait, la France est perdue. Mais on se fâche pas. Et puis on a visité Paris. Par le RER, comment on appelle? Le tramway. Là où il y a les escaliers qui filent. On a vu l'Elysée, on a vu le musée du Louvre, on est allé au Moulin Rouge, on est allé à la Défense. C'est trop des grandes maisons. On en a vu qu'il avait des vitres là-haut, à au moins à 300 mètres de haut, je sais pas moi. Puis on est arrivé là-bas, puis alors il fallait signer un livre d'or ou je sais pas de quoi, là-bas qu'il y avait. Alors, moi j'ai mis raser tout, planter des genièvres pour que les grives puissent venir manger. Et alors, dessous, j'ai dit, un ancien garde champêtre de la commune d'Aiglouis, dans la Drôme. Maintenant, je sais pas qui l'a vu après, ou n'importe qui. Non, je me sens perdu là-haut. J'aime mieux vivre ici, dans ma campagne, tranquille, j'ai la liberté, je fais ce que je veux. Je suis avec mon petit bétail, par là, mes chiens, tout, mes vaches. Santé bonne. À la tienne, mon Sidou. Oh, bon, c'est bien. À votre santé. Qu'elle soit brune, qu'elle soit blonde, de le je rêve nuit et jour, et je n'ai qu'un désir au monde, c'est de les aimer.